Dernier arrêt. Lewis, je suis ton oncle Jonathan. Est-ce que tu portes un peignoir? C'est un kimono. C'est ici. Bienvenue chez toi. Tu es Lewis, je présume. Tu as fait bon voyage? Cette vieille chouette est ma voisine. Je suis soulagée de constater que tu n'as pas hérité de la tête surdimensionnée de ton oncle. Je rêve où ce squelette violet défraîchi vient de parler. Tu verras, tout est très différent ici. Regarde autour de toi, tu n'as absolument rien à craindre. J'ai rien à craindre avec ça. Tant qu'on le nourrit. Tu sais ce qu'est un sorcier, Lewis? Une sorcière au masculin? Détrompe-toi, tu pourrais être surpris. Es-tu en train de dire que t'es un sorcier? Enseigne-moi, s'il te plaît, allez, allez! Très bien! Tu as gagné. Je peux te fournir un tas de livres. T'enseigner à jeter des sorts. Mais ensuite, ce sera à toi de faire tes preuves. Je veux pas de ce minable dans mon équipe. Tu crois que je le veux, moi? J'ai eu de la chance. Est-ce que tu as tout raconté à Lewis? Non, pas tout à fait. Tu entends le tic-tac? Cette maison appartenait à un autre sorcier. Vraiment maléfique. Vraiment puissant. Il a caché une pendule dans les murs. On ne sait pas ce qu'elle fait là, mais on sait qu'il se passe des choses horribles. Trois coups de gong. Avant, il y en avait quatre. Que se passera-t-il quand il n'y en aura qu'un? Rien de bon, si tu veux mon avis. Il faut détruire cette pendule. C'est plutôt sinistre. Tu peux pas y arriver seul. Laisse-moi t'aider. Vous voulez voir un sorcier à l'œuvre? Regardez ça. Vous êtes prêts? Je déteste les citrouilles. Vous avez vu ça?